mallette, Santos. Jamais de la vie. Salut les filles! C'est notre dernier tour de tequila dans le nombril, alors on va te couvrir de sel. J'en ai assez de l'amour. Je crois pas que c'est un concept fait pour une lesbienne du 21e siècle. Tu peux pas porter ça. J'arrive du travail. J'arrive de Toledo, mais ça se voit pas mon style. Je suis pas ici pour vendre mon corps. Je fous le camp. Attends, mais c'était mon plan, ça. Tu vas où, toi? Tallahassee, en Floride. Je suis pas heureuse ici. C'est pour ça qu'on va faire ce voyage ensemble, ma chérie. On va se reprendre en main, en équipe. Curly's Driveaway, le nom le plus réputé de Pennsylvanie en livraison de voitures. Curly? Ne m'appelez pas Curly. Je croyais que vous vous appeliez Curly. Je m'appelle Curly, mais on vient de se rencontrer. C'est trop familier. On est ici pour la voiture. Une minute. Vous appelez pour une livraison à Tallahassee. Et ensuite, deux filles arrivent et disent qu'elles sont prêtes à aller à Tallahassee. Elles conduisent la voiture à votre place. Est-ce que c'est grave? Seulement si elles trouvent ce qui est à nous. Quoi? On devrait l'ouvrir. Je parie que c'est verrouillé. Oui, je comprends que vous soyez mécontent, monsieur, mais nous allons trouver et livrer la mallette. On cherche vos amis. Tu sais pas traiter avec le public, et dans un métier de service, c'est un gros handicap. Ces deux pervers vous ont trouvé? Ils savent qu'on a leur mallette. On pourrait leur revendre? Les extorquer. Elles sont recherchées par la police? Oh non, elles risquent absolument rien. Je vais vous aider à résoudre une affaire de meurtre. La chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Et je suis policière. Vous êtes qui, vous? Des démocrates. Waouh, vous avez eu une grosse journée.